suis vraiment dans le club des champions. C'est un truc de ouf, c'est un truc de malade. Nous sommes sur une autre planète, nous sommes vraiment ici dans le club des champions. Depuis des décennies, le décor est aussi légendaire qu'impénétrable. L'AC Milan, son histoire, son institution. Et depuis cette saison, son joueur ivoirien. Tu vois, c'est marqué Milan, 1899. Le club date, hein. C'est l'entraîneur général, regarde tous les autres. T'as des grands joueurs, t'as Clarence Seedorf, t'as Kaka, t'as Paolo Maldini. T'as des grands joueurs là, t'as Pilo et tout, t'as Dida. Donc là, c'est la dernière coupe, la dernière Champions League que le club a remporté en 2007. Et là, t'as un joueur qui fait vraiment la fierté de l'Afrique. Qui fait la fierté de l'Afrique, qui a été le seul joueur africain qui a été élu Ballon d'Or. J'ai joué aujourd'hui, président de la République du Libéria. C'est vraiment, quand tu vois tout ça, tu vois que le club a vraiment une histoire. Et pourquoi pas nous aussi écrire la nôtre. Écrire l'histoire des Rossoneri, objectif de Franck Kessié, prêté pour 2 ans à Milan par l'Atalanta Bergame. L'opportunité pour le milieu de 21 ans de réaliser son rêve, celui de jouer pour le club qu'il supporte depuis son enfance. J'étais vraiment ému quand j'ai franchi la porte du centre d'entraînement et j'ai dit voilà, et qu'un rêve s'est réalisé. Parce qu'auparavant, quand j'étais tout petit, j'étais déjà fan du club et j'avais d'autres possibilités, mais seulement que le projet du club m'a convaincu, c'est pour ça que j'ai signé ici. Un nouveau projet entamé car depuis 4 ans, le Grand Milan est écarté de la course au titre et privé de Ligue des Champions. Alors depuis avril 2017, l'ère Berlusconi est finie. Le Milan AC est aujourd'hui sous pavillon chinois. Un nouveau projet dont Kessié fait partie. Ils ont cru en moi et ils m'ont dit que je pouvais faire partie de ce projet. Quand tu penses que le club a une histoire, t'es vraiment fier de mettre sa couleur, mais il faut rehausser le niveau et il faut ramener le club où il le mérite en fait. Le club il mérite beaucoup, il mérite de se retenir sur le toit européen. Il mérite de concurrencer tous les grands clubs comme le Real, comme Chelsea, comme Manchester. Il mérite d'arriver au sommet aussi. Calabria al limite dell'area, Calabria prova la conclusione deviata, Kalinic per Kessié, ancora Kessié, il sorpasso del Milan con Franck Kessié. Second joueur le plus utilisé de l'effectif, Franck Kessié s'est tout de suite imposé. Déjà 4 buts et 5 passes décisives cette saison. Et des qualités qui ont conquis les supporters du club. Un giocatore forte, dotato tecnicamente, fisicamente, quindi sicuramente un ottimo giocatore in prospettiva, ma già adesso un giocatore importantissimo. Io quando lo vedo, e già quando lo vedevo l'anno scorso nell'Atalanta, avevo in mente Patrick Vieira. Un giocatore molto importante perché dà geometrie alla nostra squadra, è un giocatore che il Milan ai tempi di Desailly, grande giocatore francese. Depuis novembre dernier, le milieu de terrain ivoirien est entraîné par une légende du club, Gennaro Gattuso. Le coach italien apprécie Kessié, une belle opportunité pour lui de progresser. In questo momento l'ultimo mio problema è che sì, secondo me puoi giocare 3 giorni, 4 giorni intero, perché ha una forza incredibile, perché sta sempre là, sempre a pressione, gioca sempre su 10-15 metri. Il fu un gran champion e je crois que je suis pas encore arrivé là où il est arrivé et ce qu'il a fait. Et je crois que c'est une façon de m'encourager, une façon de me dire que je peux y arriver, je peux même le dépasser. Après un début de saison compliqué, Milan est aujourd'hui 6e de Serie A à 6 points de la Ligue des Champions. Une compétition que n'a jamais disputée l'Ivoirien. Bon, l'objectif cette année, c'est de retourner en Champions. Parfois, il faut passer comme il le faut, mais il faut y arriver. Si on continue sur cette lancée de 13 matchs sans défaite, je crois que d'ici la fin de saison, on peut y arriver. Ambitieux, Franck Kessié a l'occasion de redonner aux couleurs rossoneri un peu de leur magie, d'écrire une nouvelle page de l'histoire du club. Ils sont